Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien les petits potes. On est parti pour un nouvel épisode de Soum Soum GTA Road to GTA 6, pardon, GTA 6, non, Road to GTA 6 les gars. Et il s'est passé 1000 trucs hors vidéo les gars, 1000 trucs, non peut-être pas 1000, faut pas abuser, mais en gros j'ai farmé jusqu'au 13 millions. Et au 13 millions, c'est le grand crack, j'ai craqué. Hein ouais, j'ai totalement craqué. Donc après je suis retombé à 4 millions, je vais vous expliquer pourquoi. Et après, là, je suis remonté aux 6 millions, bref. Et j'ai voilà, en farmant un peu tous les business, un petit contrat de Dr. Dre, 2-3 ventes d'acide, etc. C'est passé crème. J'ai pas filmé, les gars, parce que j'attendais le bureau du manager. J'attendais un nouvel écran, les gars, pour faire des vidéos de meilleure qualité. Et surtout, pour GTA 6, pour avoir un écran adapté à GTA 6, pour pouvoir faire de la belle 4K sur GTA 6, voilà. Donc c'est bon, je l'ai reçu, donc on peut continuer les Soum Soum Road to GTA 6. LR. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mes 13 millions. Enfin, mes 13 millions. Sur les 13, j'en ai dépensé 9. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mes 9 millions. LR, on a la niobé. Ouais, j'ai même tapé le chrono de AO hors vidéo. Ouais, j'ai grave joué hors vidéo, j'avoue. Mais je me suis fait plaisir. Il y en a qui vont dire, ouais, non, t'as acheté des shark cards. Et regardez, en termes d'argent farmé. Alors, les statistiques, apparemment, quelquefois, elles sont faussées. Donc, même pour moi, je me dis, je suis à 215 millions. J'ai bien farmé, j'étais à 180 millions et quelques il y a quelques jours. Je suis à 215 millions, c'est nice. Eh là, on va aller voir le dealer. Quoique non, non parce que j'ai acheté des matières premières pour tous les business. Donc on va éviter d'aller voir le dealer. On va pas faire une démonia. Nous c'est le goût. Nous on va aller, putain je sais jamais où il est ce putain. Ah il est là, hein, il est caché par une icône. On va aller au garage GTA Plus les gars, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait pendant ce temps là. Ouais, enfin vous avez pas trop vu de coupure dans les vidéos, mais vous voyez qu'il y a un décalage de fou furieux avec les vidéos. Parce que moi je suis encore au bounty là, en x2 en termes de promo. Ouais. LR. C'est quoi ça? Ah non c'est... Ah oui ok. J'ai rassemblé tous les meilleurs véhicules les gars, je les ai tous mis dans le garage sous-sol 4 et je les ai tous custom. Voilà, je les ai tous custom pour essayer de faire le maximum pépites. Alors je vais pas vous montrer tout de suite. On va aller au bout. Donc même les... J'ai vidé l'atelier auto, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien dans l'atelier auto. Merde. On commence pas par le meilleur endroit. Je les ai classés du plus stylex au moins stylex, mais stylex quand même. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont quand même belles, tu vois, mais elles sont pas... Elles sont pas insane à ce point-là. Et pour vous dire, si vous les trouvez dégueulasses, celles que j'ai mis en top, c'est faut insulter le crew. Parce que j'ai demandé quel était leur véhicule préféré. J'ai mis les véhicules que les gens préféraient en top 1. J'ai pas fait que mon avis. Voilà. Donc là, il y a la Italie GTO. Magnifique. J'ai mis des plaques Soum Soum partout normalement. Là, la Pister Comet S2. Magnifique. Que vous connaissez. Là, la Dominator GTX. Que j'ai refait en vert. Là, c'est un véhicule que j'ai acheté, la Grotti Visione. Parce que je sais pas, ça m'a manqué, tu sais, dans Soum Soum Flashback. J'avais gagné la Visione au casino et donc j'ai voulu la racheter. Et elle coûte plus de 2 millions. Donc j'ai claqué beaucoup de pognon là-dedans. Ensuite, la Vorsla Gamer, que vous connaissez. Ensuite, ça c'est la voiture électrique d'Audacide. C'est là. Oh, je sais plus. La Virtu. Voilà. Et là, on passe à ce que vous n'avez pas vu. J'ai recusto Minus. Voilà, en rouge. J'ai acheté... ça, c'est la Nero que j'avais gagnée. Que j'ai recustom aussi. Avec le petit logo GTA 6 sur le côté. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Ensuite, la Grotti Italy Stinger TT. Que j'ai remis... la Grotti Italy GTO Stinger TT, pardon. Que j'ai remis en bleu. Voilà, un bleu caméléon, il me semble. Ah non, c'est un noir couleur crew. Couleur crew nacré. J'ai acheté... La fameuse Elegy Retro Custom. Je sais pas si vous dites Elegy ou Elegy les gars, mais on s'en fout, mais voilà. Hop. Ensuite, j'ai recustom ma Inus. Je l'ai mise noir mat, je crois, avec du carbone. Ça fait voiture de Batman un peu, mais c'est ce que je voulais faire. Ensuite, la Deity que j'ai gagnée au casino. Finalement, je lui ai mis une couleur simple bleue. C'est le noir du crew et nacré avec un bleu spécial, avec un des bleus, je sais plus lequel. Ensuite... la Komoda que j'avais gagné, que j'ai rebalancé en rouge. Normalement elles ont toutes des néons assortis aux couleurs et tout hein. Là c'est la Pfister Comet que j'ai recustom parce qu'elle traînait dans mon garage. Et c'est un véhicule qu'on peut plus acheter sur le site de GTA Online dans le jeu. Donc je l'ai recustom et elle est pépite pour moi. Ensuite j'ai recustom aussi la Niobe.
avec un petit verre GTA Plus, on va l'appeler comme ça. Voilà, parce qu'il n'est pas disponible pour tout le monde. Ouais, je suis un pigeon, j'ai la couleur pigeon. J'ai recustom aussi le Vivanite. Voilà, noir mat avec une couleur prismatique noire là, en couleur 2, classique. Après, la gesture classique, une petite couleur fait penser là-bas à la GTO. Hein. La même couleur. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis les roues Ah ouais, non, ça va. Ensuite, celle-là, je l'ai gardée comme ça parce que la fusillade, pour moi, c'est un véhicule emblématique de GTA 5 Online. Parce que pour moi, quand j'avais pas ma chaîne YouTube et que j'ai créé mon perso, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est la première voiture que je me suis achetée, la fusillade. Bon, elle était pas comme ça, elle était beige et tout. Voilà, c'est ma première voiture, vraie voiture de GTA Online. Donc je l'ai gardée. Et ensuite, la Pipistrello, que j'ai juste custom noir crew plus petite couleur jaune. Voilà, je la trouve stylée. Je la trouve stylée, mais tu vois, je l'ai mis en dernier parce que c'est une électrique. Va les potes, donc c'est tout pour ce que j'ai fait. Et du coup, ça m'a coûté un bras en tuning, les gars. C'est pour ça que j'ai perdu plusieurs millions dans l'affaire. Parce que j'ai acheté quoi? J'ai acheté deux bagnoles. La Elegy qui est gratuite, je l'ai bénisée. Ensuite, je l'ai custom et j'ai acheté la... Merde. Je sais plus laquelle j'ai acheté. Ah oui, la merde. Oh, c'est dur de retenir tous les noms de bagnoles. Oh putain, la visionnée. Voilà les petits potes. Bon, on va sortir, je sais pas ce qu'on va faire, on va chiller. Quel véhicule on va prendre? On a tellement... Moi, je vais prendre la Comet classique, frérot. Enfin, c'est pas la classique, c'est la Comet normale. Insane. Et je suis choqué, les gars, je pensais pas que GTA 5 qui tournait en 4K 60 FPS sur console. Et ben si. Bon, alors même si c'est sûrement pas de la vraie 4K d'origine, c'est un truc... agrandi et voilà, amélioré. Et ben je suis quand même saucé, les gars. Du coup, on peut avoir la fluidité avec la 4K, c'est vraiment nice. Alors, on va aller à la salle d'arcade pour checker où en sont les bises. Let's go. Et là, j'ai pas d'objectif de farm, les gars. Je pense même qu'on va s'acheter un véhicule, on va se faire kiffer dans cet épisode. On va faire le strict minimum en termes de farm et on va faire autre chose. Voilà. Ouais, elle est insane, la Comet, franchement. Comet classique. Oh, arrête de dire classique, les gens vont finir par croire qu'elle s'appelle classique. La Comet normale, la Comet insane. Alors là, la petite surprise du chef, c'est que vu que je dépensais tout mon flou farmé, j'étais un peu en panique, je me suis dit j'ai hors de question que je retombe à 0$. Donc au fur et à mesure, je rachetais des matières premières pour tous les business clubs de motards, bunkers et tout, je rachetais des matières premières, les gars. Ouais, pour que je me dise comme ça, si je suis à 0$, j'aurais déjà des ventes à faire et tout. Voilà. J'avais dit que je dépenserais pas, mais j'arrive pas à pas dépenser, donc... J'y arriverai jamais. Alors, regardez où on en est. Voilà. Le bunker, c'est presque plein. La coke, c'est plein. La meth, c'est plein. Le cannabis, presque plein. Les faux billets, presque plein. Et mon entrepôt de véhicules d'import-export est plein, les gars. Voilà, c'est la petite surprise du chef. Et putain, j'ai un gros stock dans la boîte. Hein. Ah, je peux pas mettre en sécuro, là, je suppose. Non, je peux pas mettre en sécuro. Bon, bah, il faudra peut-être vendre la boîte aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Est-ce que j'avais commencé à préparer un casino? Je vais pas en préparer un, mais c'est juste pour... J'avais quoi comme stuff? Œuvre d'art. Ok. Ouais, ok. En furtif. Ok. Ok, nice. Bon, de toute façon, casino, hein, c'est... J'ai pas trop envie d'en refaire pour le moment. Hein. Bon, voilà, on va aller jouer au casino. Je pense qu'on va chiller, tourner la roue, puis je vais essayer de me faire un kiff avec mes 6 millions. Vivement les promos. Hein. Pour moi, c'est ce soir les promos. Parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai oublié de le dire, on est mercredi... Je crois qu'on est le 25 septembre. Tiens, je vais taper la planque avec un peu de chance. Attends, labo d'acide. Attends, j'appelle le labo d'acide. Non, acheter ma matière première 12 000. Ah, nous avons Gugus. Je rentre dans le casino avant que je te bute. Oh, elle est impeccable. Pas fait d'accident, c'est nice. Elle est 8h32 minutes. Ah ouais. On va laisser tomber, on peut pas tourner la roue. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire du lèche-vitrine, je vais me faire kiffer. Désolé, l'ami. Toi mourir. Oh, la chatte. Que t'as? Oh non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Toi, tu meurs. Là, il y a une bande de rigolos qui arrive. Big boom. Moins 20 000, j'en ai rien à foutre. C'est bon, les gars. Moi, je tue tout le monde. Parce que de toute façon, tout le monde va me tuer. Ah, il fait la mission du bus. Oh, la chatte que t'as. Tiens. Non, je le fais pas. Ça se fait. Elle est tellement casse-couille, cette mission. Allez, on se casse chez les flics. L'urso cool. Merci, frérot. C'est un plaisir, frérot. Ça serait bien qu'on aille au gun van. Attends, j'appelle Lester.
J'enlève les flics, je passe au gun van, je regarde s'il n'y a pas l'open atomiseur. Ok, le gun van est tout dans le nord. Nous y a l'âme. Est-ce qu'ils viennent se venger ou pas? Non, ils viennent même pas se venger. Ah ouais. Eh ouais. Eh ouais. Ouais, les mecs, ils font les mecs cool, qui sont innocents et... T'inquiète pas qu'ils butent des gens aussi. Allez, road to le gun van, les gars. Ah, il y a un dealer ici, putain. Dommage que j'ai acheté des matières premières, quoi. J'aurais eu les deux dealers, ça m'aurait fait un peu de flouze. Mais bon, on a 6 millions, on va pas se plaindre. LR, les gun van, que nous réserves-tu? Ah non, il y a pas. Il y a pas. Par contre, ça, je peux l'acheter. Hein. Mais bon, en vrai, contre des MK2, c'est vraiment pas pratique. Projectile, on est full, on rachète au moins des gilets, comme ça, on s'est pas déplacé pour rien. Oh putain, oh, je vais le troller, lui. Oh, lui, je vais le troller. Oh lui, oh lui, oh lui. Il fait du bateau sur le lac en mode chillax. En plus, il est rosé, donc il est pas totalement innocent. Ayam, je sais pas quoi là. Oh là là, les gars. Il va prendre tarif. Il va prendre tarif. Ah ouais, j'ai envie de faire chier un peu. Bah ouais, c'est GTA. T'as envie de faire chier, tu fais chier. T'as envie de farmer, tu farmes. Ah, il a sauté. Oh, le BG, il a sauté. What? Ah, mais il doit être en mission. Ah, je l'ai tué. Il doit être en mission. Oh putain, il respawn à l'autre bout. Il doit être dégoûté. Et je vais l'enchaîner, tiens. Pour le plaisir. Vas-y, viens, 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 viens. Viens. Big boom. Trop cheaté, le Sparrow. Je pense qu'il va rage quit. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un peu de fight. Big boom. Big boom. Lol. Ah. Non, ça faisait longtemps. J'ai fait de la fight hors vidéo. Mais en vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un peu de fight. Tu es mort. Ah, il m'a littéralement pété la vitre. J'ai plus de vitre de protection, les gars. Mayday. Mayday, mayday. Oh. Oh. Je suis en train de lui refaire un respawn à l'autre bout. En plus, ça se trouve, il a un timer. Big boom. Oh, il essaye toutes les armes une par une. Il essaye de faire quelque chose. Lol. Oh, je vais le faire respawn en ville. Force de le tuer. Oh merde. Oh, il doit rager de ouf. Putain, le Sparrow, depuis qu'ils ont amélioré son blindage, il est quand même beaucoup plus résistant. Je vais le faire spawn en haut du mont Chiliad. Si ça continue. Il est quel niveau? 196. Ça va. C'est pas un niveau 1. Bah vas-y, fais quelque chose. Fais un truc. Oh, la chatte que t'as. Moi, je reprends des encas. Petit gilet. Ah, il est en train de me flinguer mon hélico. Big boom. Atterrissage d'urgence, les gars. On a plus de moteur. Voilà. Et maintenant, je vais lui lâcher la grappe. Et il va pas comprendre. Il va dire, putain, le mec vient me casser les couilles. Il se barre. Bah ouais, c'est exactement ce que je vais faire. Compétence. Sanchez. Oh, il a quitté. Oh, il a quitté. Oh là là. Bah, j'aurais fait pareil à sa place. Il savait pas se défendre. Pourtant, le Sparrow est fragile. Hein. Normalement, tu peux tuer un mec une fois ou deux, mais généralement, la troisième fois, il te déglingue. Là, il a éteint sa console. Bon, je voulais pas lui faire éteindre sa console non plus. Hein. Mais bon, je voulais me fighter un petit peu, quoi. LR, nous, on va faire un peu de moto. Tiens, il y a un mec là. Ah non, c'est saut en parachute. Bon, allez, on va farmer un petit peu, sérieux. On va aller remettre... Ah, c'est quoi le texto que j'ai reçu? Ah oui. On va aller remettre de la popularité dans la boîte de nuit et on va vendre la boîte de nuit, je pense. Je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire que ça se fait pas de tuer un gars qui fait une mission, mais bon. Je m'en fous, les gars. C'est un jeu vidéo. Comme d'habitude, c'est GTA Online. Si on n'a plus le droit de se tuer dessus dans GTA, les gars, autant jouer aux Sims. Hein. Franchement, tu peux faire ta life. Tu te fais tuer par personne. Alors, on appelle Lester. Oh, les animaux. Oh, le PNJ a shooté les animaux. Allez, face à un indice de recherche. Dommage que je peux pas acheter le Open Atomizer. J'ai envie de troller, là. Là, je suis d'humeur troll aujourd'hui. Ah ouais. Il y a moyen de prendre un jump, là. Hein. Oh, c'était éclaté. Là, il y a peut-être moyen, là. Oh, voilà, le jump. Oh, 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 oh. Je vais y atterrir dans la piscine. Alors, nous voilà presque arrivés. Oh, madame. Allez, je pense qu'on va peut-être péter les 7 millions, du coup. Attends, je vais aller voir. Oh, il a quitté. Ah non. Bilal Abida, j'arrive. J'arrive, mon ami. Oh, il lag. Tu lag, frérot. C'est injouable. Oh, 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 lol. Ben, il est mort. Ah, un mec invisible. Go se méfier. Les gens dans la session vont pas m'apprécier. Vont dire, lui, il est casse-couille. Et en plus, je vais vendre ma boîte. Alors que le mec peut revenir se venger. Ah ouais, je suis un fou. Il est quel niveau, Bilal Abida? Oh, 22. J'avoue, ça se fait app. Ah, j'avais pas vu le niveau. Ah, j'avoue, niveau 22.
Il débarquait avec son petit 4x4, il était trop heureux. Oh, VIP qui s'est évanoui. Ça m'arrange pas. Mais je veux pas perdre le SecuroServe, alors on va le faire. Application GTA+. Hop, récupérer les gains des coffres. Un petit 150 000. Ça, c'est nice. Toi, je t'emmène. 1,20 km, ça va. J'ai retesté GTA 5 Online PC encore une fois, les gars. Et franchement, c'est plus fun sur PS5. Parce que sur PC, c'est vraiment gauche-droite sniper, clavier-souris. C'est vraiment... Vraiment, je me prends pour des tryhards, Land. Vraiment. Donc franchement, c'est mieux sur PS5. Voilà. Hop, le VIP est déposé. L'oseille dans la monnaie. Ah, pas besoin de mettre en banque. On va reprendre la Shafter V12 et direction la boîte pour faire le strict minimum en termes de farm. Et je pense que, ouais, il y a moyen ce soir, je continue de farmer hors vidéo. Je vais refaire un truc d'agence, faire des ventes de clubs de motards en session solo. Tel un lâche que je suis. Parce que les ventes de clubs de motards, c'est tellement long que j'ai pas trop envie de vous les montrer en vidéo. Sinon, ça fait des vidéos à rallonge de ouf. C'est vraiment chiant. Ou sinon faut que je cut tout, mais c'est comme si j'avais pas enregistré, je fais 45 minutes la vente et c'est comme si, voilà, ça dure 5 secondes dans le cut, dans le montage. Donc c'est pas ouf. Allez, petite vente de boîte de nuit. Combien? 623 000. Aïe, 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 j'ai peur que ça passe pas avec un véhicule. Ah si, c'est passé. Ah, j'ai une MK2 juste là. Putain, le bandeau de merde qui m'empêche d'ouvrir la map. Putain, la MK2, bon. J'ai fait le kikou. Va falloir que j'assume. 10 minutes, la vente. 7 km. SecuroServe, Orga Fantôme. Avec le bonus des sessions pleines, on va se taper un 800 000. Donc ça fera 7 millions, à peu près. Là, il y a un joueur, on va vite se casser. Oh, le dérapage. On va se remettre full en cas. C'est notre seule farm de la journée, hein. Pas de vente d'acide, que dalle. On va un peu plus chiller. Maintenant que j'ai fait mon super beau garage, que je vous ai montré, je suis super content. Après, objectif, remplir un deuxième étage. Donc encore 20 voitures. Mais 20 voitures, ça fait 30-40 millions, donc c'est... Faut y aller petit à petit, quoi. Hein, ouais. On va plus avoir d'orga fantôme, ça pue la merde. Il y a un laser qui décolle. Ok, je suis déjà préparé psychologiquement. Arrache, quitte. Ouais, c'est crash. Miles Morales, mort de rire, il s'est crash. Je passe devant, ni vu ni connu. Après, je pense qu'on va peut-être faire la bounty du jour. Ouais, je sais pas. On va voir. Hop là, vente terminée. Combien? LR. 841 000. Et on pète les 7 millions. Chillax ce jeu. En fait, quand t'as tous les business, c'est chillax. Il n'y a plus d'espace dans mon entrepôt. Il parle de quoi là? LR. Quel véhicule j'ai envie de conduire? Tiens, j'ai envie de faire le Kikou de Luxo. Kikou de Luxo, c'est parti. Oh putain, il y a une MK2 juste là en plus. Si tu pars pas dans les 5 secondes, frérot, t'es mort. T'es mort. Ah, il veut prendre le... Big Boom. Au revoir la MK2, Babama, Pixa. Bon, j'arrive pas à le dire. Bon, allez hop, à moi le sac à dos. Ah, il doit être deg. Et là, je vais passer assez haut au-dessus de lui. Coucou. Moi, on me l'a fait plein de fois, ça, dans GTA. Je suis juste au-dessus, coucou. Tu peux pas... Normalement, tu peux pas... Tu peux pas lever ton... Mais non, si je reste au-dessus, tu peux pas. Je vais l'écraser. Oh, putain, le coup de génie. Merde, je suis mort. Oh, comment je suis tombé sur lui tel... Merde. Oh allez, j'ai eu chaud. Il est pas content. Il m'a sorti le lock. Attends, ce qu'il y a une Deluxo là. Big boom. Allez, on se casse. Olé, 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 olé. Oh, il doit être deg. Oh, il doit être deg. La let you fly. Da-da-da-da-da. Oh putain, j'ai Tom Petty dans la tête là. J'écoute plein de playlists de Tom Petty en ce moment. C'est chillax pour jouer à GTA. Et il revient en Sparrow. Désolé ma Tom, j'ai esquivé son missile de peu, c'était chaud. Ah, ah, il revient en Sparrow. Ah, 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 ah. Il est mort, stupide. T'aurais pu me contourner au moins. Oh putain, ça va partir en duel sniper, ça va me saouler. Boum. C'est quoi la matière première? Je vais te la péter. Hein. Ah, je lui pète, c'est bon, le mec est stupide. T'as une matière première, tu repasses dans la... Tu repasses dans la ligne de mire du mec qui t'a buté juste avant. Faut vraiment être stupide. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un avion contre moi. Oh, je l'ai... Il a sa tenue de merde, là. Il m'a mis un headshot, je crois. Big boom. T'es pas prêt, toi. Big boom. Ça pète pas, ça pète pas, ça pète pas. Vous avez détruit des matières premières. Oh là là. Oh là là, comment t'as le seum. Bah ouais, mais il est stupide, les gars. Là, c'est pas que je suis méchant, c'est qu'il est stupide. Mec, je le troll.
Et le mec, il vient se venger avec une matière première sur lui, quoi. Le mec est débile. Ah, il a quitté. Deuxième rage kit de la journée. Hein? Par contre, j'ai pas de casque. Adopted, il me dit. Ah, les gars, vous savez pas jouer à GTA, c'est un truc de ouf. Adopted. Ah, il va m'orbital ou quoi, non? Il est parti où? Ah ouais, comme ça, je suis adopted. Bah alors? Bon, allez, je me casse. La merde. Oh, les gars, on va le faire stresser. Il y a un mec qui fait sa boîte de nuit. Je le fais juste stresser. Je le tue pas, les gars. Je le fais stresser. Je l'ai repéré, les gars. Je l'ai repéré. Regardez, il est là. Il est pas en orga fantôme, cet abruti. Non, mais aussi, les. Franchement, le niveau des mecs aussi. Oh, je vais lui péter. Je m'en fous. Vas-y, je suis un connard aujourd'hui. Rien à foutre. J'aurai des dislikes. Oh, bah, il a fini. Rien à foutre. Je te pète, moi. Rien à foutre. T'as qu'à mettre l'orga fantôme. Moi, je t'apprends à jouer. Je t'apprends à jouer. Voilà, il n'y a plus de boîte de nuit. Plus 2000$, c'est nice. C'est Tommy78. T'as perdu ta boîte de nuit. Tu regarderas des tutos sur YouTube. Hop là, le suppo dans le cul. Rien à foutre, c'est bon, ils me saoulent tous les joueurs. Eh ouais, je suis cancer. Bah ouais, j'avoue, je suis cancer. Je suis cancer. Bien sûr, j'ai cancer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, l'autre, il revient à MK2. Merde. Ah, t'as que ça à la bouche, hein, la MK2, hein. Boum! 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 Putain, le mec a fait un tout droit. Ah, là, il va rage quit. Là, il va rage quit, là, frérot. Il a rage quit. Troisième rage quit de la journée. Rien à foutre. Ah, Tommy, MK2. Ah, bah là, lui, il est vénère, lui. Boum! Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont trop stupides, les gens, aujourd'hui, ou quoi? Vas-y, viens. Viens, frérot, viens. Je vais te finir. Je t'ai pété ta boîte et je vais te terminer à dos. Olé, olé. Boum. Ouais, mais franchement, ok, je suis un bâtard, les gars. Je suis un bâtard, j'avoue, ça se fait pas. La boîte de nuit, ça se fait pas. Mais le mec est quand même stupide. Excusez-moi, le mec ne met pas d'orga fantôme pour économiser 12 000$. Le mec, il perd toute sa boîte. Franchement, c'est nul. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux une dernière? Tu veux une dernière dédicace? Voilà, boum boum. Coucou panier, telle est la loi de GTA Online. Je te pète ta boîte et tu fais coucou panier. T'as plus qu'à éteindre la console et aller sur Call of Duty maintenant. Ah. Oh, j'ai une balle qui m'a frôlé. Touched, amorced, exploded. Tout ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un mec qui s'en mêle là? Non. Oh, je l'ai eu. Oh, il m'a eu aussi, hein, nice. Bah au moins il a pris son kill, je pense qu'il va rage quit là. Il a pris son kill, là normalement tu fais pause et tu quittes. Pause et tu quittes, frérot. Vas-y, zigzag ça. Elle pue la merde, la technique de zigzag, frérot. Parce que moi j'ai juste à me mettre droit et à attendre que tu passes. Donc c'est ça pue la merde, cette technique. Bon allez les gars, on va les laisser méditer. Ah, il va quitter. Ah. Il a quitté, quatrième rage quit. Lol, loli, lol, XPTDR, je suis cancer les gars. Ah ouais, mais ça fait du bien de temps en temps. Ah putain. Quel plaisir. Allez, moi je vais boire un verre au Niava. On a pété les 7 000 000 et surtout n'oubliez pas les petits potes. Hein. On s'appelle, hein. La bise.